Le réchauffement climatique n'a rien d'éphémère. Trois agences mondiales le confirment. D'après les scientifiques de la NASA, de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la décennie qui vient de s'écouler aura été la plus chaude jamais enregistrée. 2016 aura été l'année record devant 2019. Le constat de la NASA est sans appel. Nous pouvons isoler l'évolution des gaz à effet de serre et la déforestation et estimer les changements qui se seraient produits sans l'homme. Les volcans, le cycle solaire, le forçage orbital. Lorsque nous faisons cela et que nous estimons ce que serait l'évolution des températures juste avec ces éléments, nous nous retrouvons avec des écarts massifs. Sur cette animation, l'évolution des températures décennie après décennie. La moyenne dépasse aujourd'hui de 1,1 degré celle de la période pré-industrielle. Et la suite ne s'annonce guère meilleure. Avec des gaz à effet de serre de plus en plus concentrés dans l'atmosphère qui y retiennent la chaleur, l'Organisation météorologique mondiale estime de 3 à 5 degrés la hausse de la température d'ici la fin du siècle, favorisant les phénomènes extrêmes. En Australie, c'est le record de chaleur de 2019 qui a ouvert la voie aux feux de brousse dévastateurs. L'an dernier, l'Europe a, elle, connu deux vagues de chaleur record, avec un pic à 46 degrés en France.